et on le voit, le circuit il est de plus en plus troué, il est très sec. Donc vraiment, ça serait dommage pour le pilote portugais de rencontrer le même genre de problème, car derrière lui, il y a une bande d'énervés. Regardez, ils ne sont pas loin. Pas loin du tout, alors que l'on revoit une chute impressionnante. A priori, c'est Marcus Schiffer, je pense. C'est pas la première qu'on voit sur ce saut, avec Arnaud Tonus qui l'évite de justesse. Grosse, grosse chute. Il y a quand même des ballots de paille qui sont parfois mal positionné hein, sur ce circuit. Bizarrement, on a l'impression que le circuit d'Agueda est assez étriqué. Il paraît un peu moins large que d'habitude. On voit les pilotes Paulin, vraiment au coude à coude. Paulin est passé en seconde position devant Loïc Larion. On le sentait. On le sentait. Gauthier Paulin, leader du championnat du monde, qui attaque très fort en ce moment. Il veut aller chercher Gonçalves. Alors que regardez, Frossard et Musquin. L'attaque de Frossard sur Larieux, ça passe également à l'extérieur.